Salut tout le monde, c'est Blackheart. Bienvenue sur la chaîne pour la troisième et dernière partie de notre mission spéciale longue sur Arma 3. On reprend directement au petit matin, juste après avoir récupéré le commando, à la fin de la vidéo précédente. Pour un contexte plus complet, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes ou leurs introductions. Pour vous donner une idée, quand la vidéo commencera, il devait être à peu près minuit, et après 10 heures de jeu, la fatigue commençait à se faire sentir. Durant les dernières heures, on a dû pas mal motiver les gens à garder les yeux ouverts, c'était assez folklorique. Ça pourrait être sympa que vous laissiez un petit pouce bleu sur cette vidéo pour honorer la ténacité de certaines personnes qui, malgré la fatigue, ont accompli leur mission. Je ne pense pas refaire un avertissement concernant le contexte de la mission, j'ai déjà fait dans les deux précédentes vidéos et j'estime que vous êtes assez grand pour ne pas dire de bêtises. Par contre, si cette aventure vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et penser à bien activer toutes les notifications. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Non, viens. On fait du sprint ou on fait de la patrouille là ? On va explorer pendant la nuit Blackheart, donc on n'a pas besoin de le refaire. On va vraiment au centre du village et puis on va tenir là. D'accord. On va reprendre le complexe de maison d'entrée dans l'été qui est pas mal. Et à partir de là, on va essayer dans les petits trucs. Il entendait, tu le verras aux ordres qu'on te rend. Mais les ordres généraux ne changent pas, hein. Il ne s'agit pas de tirer sur la population. Finalement notre complexe de maison il était un peu excentré, on va remonter un peu plus. On va aller dans le. On va aller voir ce que c'est la... le truc avec la petite tourelle là. Je pense que ce minaret c'est un très bon poste d'observation. Ouais, mais on peut pas monter dans le minaret. C'est pas une très bonne idée de se mettre dans le minaret, c'est ce que je veux dire. Si on veut avoir une émeute dans toute la ville, je pense qu'on ferait pas mieux autrement. Si on peut avoir la plupart qui continuent à nous insulter sans qu'ils nous tirent dessus, moi ça me va. Alors une des deux résidences avec les gros murs peut-être ? Oui, justement c'est là, on va aller voir. C'était pas de la résidence de gauche que sortait le médecin d'ailleurs. J'ai pas vu moi quand il est sorti, mais possible. Blackheart, tu vas voir le complexe à gauche là. Ok. À droite. Bonjour, armée française. Bonjour, quelqu'un à la maison ? D'avoir personne. Il est quelque part par là, le lieutenant ? Et dans le véhicule qui patrouille en ville, capitaine. On a retrouvé votre médecin, hein. Bah, il est là, le médecin. Hein ? Non, l'autre. Ah ! Il est mort. Mince alors. En question, il y a des mecs là, ressemblait à quoi ? Au nord. En plein nord, il y a des gens. Il était habillé en bleu. Ah bah voilà, c'était pied noir. Il y a trois mecs en plein nord. Il était de type.
Il y a des mecs armés qui arrivent. Contact plein nord sur la route au bout du village. Oui, je les vois. Je peux les engager si tu veux d'ici. Vas-y, ne laisse pas approcher trop. Bon bah, le pied noir. Ouais, t'es dessus. Docteur là, deux morts. Abattu visiblement plusieurs. Oh, ils vont être un bon pas qui est arrivé là. Plusieurs balles dans le dos en ce qui concerne le docteur. Il y en a d'autres un peu plus loin. En tout cas, je me souviens pas voir. Parce qu'on l'a retrouvé mort vraiment à 10 mètres de là où j'avais vu pour la dernière fois. Ouais. Et moi j'ai pas souvenir d'avoir entendu le feu. Ah, moi j'avais fait. Ah bah. Vous avez. Lieutenant, si vous voulez tirer dans l'eau, dites-le moi, c'est pas moi qui vous jette la pierre pour ça. C'est juste que j'ai. Cardoc, t'es toujours sur le toit ou pas? 10 minutes, juste. Tu vois la chemise blanche le plus proche? Ah non, je me creuse pas la tête, je vous informe juste exactement ce que j'ai fait. Ouais, la chemise blanche la plus proche, à gauche du rocher. Ouais. À gauche du rocher. D'accord. Ouais, non, l'autre. Comment? Lequel? Ouais, peut-être pas, pas encore. Pas encore. Ah bah le pied pas encore. Le pied noir, quand on nous a parlé, il s'est enfui parce qu'il avait peur. C'est ça, chauchard. Bon, tant pis, hein. Pas si je l'aurais. Ah, il veut pas crever, hein. Il est mort. Attends, je vérifie. Ouais, il est mort. J'ai quasiment une page recto verso. Je l'ai crevé aussi. Ouais. Y'en a un qui est blessé à la jambe, celui qui est derrière le rocher, et l'autre juste à côté du rocher, il est. Ouais, celui à côté du rocher crevé, il reste plus que celui qui est allongé derrière le rocher. Ah oui. Sur l'eau du rocher, chemise jaune. Ça tape sur le rocher juste devant lui là. Un chouïa plus loin. Et il se lève, fumez-le. Touché à la tête. Il est mort. C'est bon. Je pense que vous allez pouvoir les réinsérer. Donc, la M1 à cette distance c'est encore précis, ça va quand même. Alors, unité terminée. C'est bon, on les a tous eus. Ok. Depuis quand tu es venu toi? Bah depuis le début. Ah ouais? C'est une arme d'officier d'infanterie quoi. Peux tu reparles autrement toi? Putain, mais au début tu m'as fait peur. Ah non, je suis un officier d'infanterie. Maréchal des logis Q. Oui. Est-ce oui, pouvez, mon capitaine. Est-ce que vous pouvez contacter Rouge Unité savoir, j'ai essayé, y'a pas de réponse. Je crois qu'ils sont occupés à faire un compte rendu au commandant en direct. Non, il était pour vous monter par là. Vous avez quelque chose à nous amener ou vous êtes juste proche de faire jouer? Ah, bah c'est un renfort en direct. À la gauche. À la gauche, à la gauche.
Groupement de rassemblement de véhicules. Ok, mon adjudant, parfait. Alors, on a tout le monde là. Bon, comme vous avez remarqué, ça commence à bien faire toute cette affaire là. On commence à la fin. Donc, conséquence de cet énervement, nous allons donc maintenant reconnaître tous les villages alentours et contrôler et interpeller toute la population qu'on y rencontrera. Puisqu'apparemment, elle est entièrement hostile. Malgré le fait qu'on était quand même très gentil. Comme notre gentillesse n'a eu aucun effet, on va passer à la manière forte. Donc, la carte, je regarde la carte aussi. Nous allons donc, en partant de notre position, rejoindre le petit hameau qui est juste au sud, là. Petit tas de maisons, là. On va reconnaître toutes les maisons. Si on y trouve des gens, on les embarque. S'il y a des gens hostiles, des gens qui fuient, c'est pour tous, deux tirs de sommation après les sommations verbales. Si il n'obéit pas aux sommations, qu'il continue à fuir, vous l'abattez. On continue, on suit la route, on ira à Murabat, même chose, on remonte, et juste à côté, je sais pas si tu vois la carte là, du point côté 153, il y a un petit hameau là, il y a 3-4 maisons qui se battent. Ouais, je le vois, ouais. On regardera ces 3 petites maisons. Une fois que ça c'est fait, on va à Mian. Cette fameuse ville qu'on connaît bien, on fait la même chose et ensuite on revient chez nous avec ce qu'on aura récupéré. C'est bon ? Adjugé. Ok, donc Black Card, on va faire comme d'habitude, je te laisse prendre le M3 et avec Cus et Preda, je vais prendre la Jeep. Les avez entendu ? Juste à la caisse disco. Vas-y. Sans départ. Vous pouvez nous offrir la reconnaissance aux alentours, voir si les civils s'en vont ou des attaques arrivent de toutes parts. Ok. Bon, on rembarque. Blackheart, tu m'entends là ? Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même schéma. Tu vas prendre la partie gauche du village, là. Enfin, gauche, du coup, cette fois, toi. Tout le complexe, là, jusqu'à la maison sur 2 étages. Enfin, sur un étage. Ok. Faites attention au nord, là. Notamment au champ. Et puis, c'est tout. Même consigne. Ok. Nous, on va faire le complexe qui est à droite. Nous informer de mouvements ennemis autour de fuite de civils. Bon bah du coup si on doit faire le complexe à gauche, vous formerez des binômes quand vous rentrerez dans les propriétés. Histoire qu'il n'y en ait pas qui reste tout seul. La même consigne. Parce qu'il y a des civils. Ok, on peut descendre. Il y
Y'a un bâtiment devant, y'a un bâtiment à côté, y'a des bâtiments derrière aussi. D'ailleurs... Stop! Stop! Je veux pas que ça soit un autre. Bougez pas d'où vous êtes. Non. Viens, on se regroupe avec les autres. On est trop isolés là. Ouais, ça, je vais chercher le médic. Aurait pu me le dire. Bouge pas. Prenez couvert dans les bâtiments. Ça va, je vais bien. C'est pour un point sécurisé par contre. Pas grave. Ah putain. Y'en a un qui est. Y'en a un qui est. Y'en a un qui est. Ouais, ah, c'est bien, le grand air 8 service. T'es blessé. Vous explosez pas trop, l'avion va faire le boulot avec l'hélicoptère. Encore du monde. Je suis là moi. Non, il est derrière.
Si vous pouvez regarder du côté nord-est, nord-ouest, dans ce secteur là. Ah oui, en haut de la montagne. Oh la vache! Alors, Ebo, tu devrais pas rester là. Le seul support rien qu'on a sur la zone pour l'instant, donc continue à faire des tours, à nous dire ce que vous voulez. C'est bon, pas trop de gros bobos? Ça va, je peux avec Aradoc. Je sais pas où est Preda, il est dans l'autre côté. Ça va. On est voir où il est parce que. Preda! Gaël. Où sont les prisonniers? Gaël, Yuen, viens. Ouais. Allez voir dans l'autre complexe si Preda est encore en vie. Ça marche. Mais chez vous. Ah bah faudra refaire la peinture du blindé. Tant pis. Allez, chef, mais bon. En face tout droit. Là je t'ai pointé, désolé. En ouest. Va avec lui, va avec Ok, ok, ok. Bon. Oh. Alors là, putain, c'est quoi cette odeur? Bon bah c'était pas mal ça, Blackheart. C'est quoi? Ça sent le cramé là. Ça c'était de l'embuscade. Ouais c'était pas mal ouais. Mais là ils ont su à qui ça fait. C'est quoi ce bordel? Ça sent le cramé. Là ça sent la chair brûlée sur 3 km à la ronde. Au moins. L'horreur. Vous êtes fort. Je vais tout vous dire. Ah. Ah. C'est bien ça. Je veux pas brûler. Ça c'est facile, ça j'aime bien. La communauté apparemment ça a l'air super calme, juste rester en surveillance autour. C'est tout pour l'instant, l'unité. L'unité terminée. Vous me maintenez à périmètre ici, vous me ramenez tous les prisonniers dans le coin en attendant. Il est vivant, il va bien, il ramène un autre. C'est pas gentil. Oui, allô, lieutenant. Non, on s'en fout. Ton air, mais familier, étais-je déjà menacé par le passé? Non, mais il faut les laisser là. Ah, non, mais qui a éteint les phares? C'est moi. Pas moi. Nos ordres, du QG. On doit s'équiper lourdement, prêt à voilà, une grosse, un gros combat. Et ensuite, on doit prendre tous les véhicules à notre disposition, qu'on puisse transporter des personnels supplémentaires. Et on doit se rendre en coordonnées 02 unité 068 et se cacher là-bas, se tenir prêt jusqu'à que le QG nous recontacte. La route est longue, m'a dit le QG. La route est longue, m'a dit le QG. C'est à côté de la colline 145. Putain, oui, d'accord. C'est loin. Il faut partir immédiatement dès qu'on est tous rééquipés comme des arsouilles. Dans l'unité, j'écoute. Hein? Non, c'est pour l'équipement lourd. J'entends pas, t'es encore en voie faible. On a déjà reçu nos ordres du QG et on se dit, on se ouais, s'équipe et on se dirige vers la position. Équipez-vous lourdement et prenez les explosifs. Vos unités de normalité terminée. Il faut mettre de l'équipement dans les véhicules et tout, médical et munitions. Ouais. Oh, non, mais qu'est-ce que. Non, restez planqué, hein, faites attention. Non, mais. Allez, cachez-vous là. Comment vous avez fait, mon commandant, pour venir jusqu'ici? Alors on va déposer. Avec quoi?
mais... Il s'est habité son couteau. On est venu en véhicule. On vous a pas entendu, mon commandant, c'est pour ça. Fort, commandant. J'ai un élément du REP qui m'attend 50 mètres plus loin. Ah, d'accord. Bon. Ça va pas être facile. On attend le signal de rouge. Est-ce que vous pensez que vos éléments appelés seront capables de faire leur travail correctement? Bah, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça a quand même été des appelés pour un premier baptême du feu de 3 jours très intense. Ils ont quand même été à la hauteur de la tâche. Moi, je me rends compte que j'ai quand même rempli vachement de papier depuis 3 jours. Enfin, vachement de papier. Vous avez rempli quoi, 5 ou 6 papiers? Et on a tué combien de centaines d'ennemis? Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon, hein. À côté de ça, j'ai quand même commandé une quinzaine de boîtes en sapin, quoi. Malheureusement. Bon, c'est la guerre, hein. La guerre, il y a des morts. Oui. Ah, mais je dis pas le contraire, mon lieutenant. Bref, vous avez entendu un petit peu ce qui se passait, votre radio, il vous a expliqué? Par rapport à l'astrologue? Ouais. Bah, il m'a dit que là, on allait effectivement aider le commando à mettre la main sur l'astrologue. En gros, c'est ça, ouais. J'en ai marre de lui. J'en ai ras-le-bol. Enfin, c'est fini maintenant. Rideau. Pourquoi? Parce que vous êtes pas les premiers. D'accord. On a perdu du monde depuis. C'est juste qu'on avait du mal à le resserrer. Là, avec les opérations dans la région, ça l'a achevé, quoi. Parce que il a été obligé de se déplacer. Ah, tant mieux. Parce que, effectivement, et dire que il y a même pas 2 nuits, je lui parlais face à face. Eh oui, si vous aviez su. Si vous aviez su. Mais bon, vous pouviez pas savoir. Si j'avais su depuis tout ce qu'on a vu avec la population, etc., je peux vous dire déjà que la Sorbonne, elle est bien loin. Et je lui aurais tout de suite mis une balle dans la tête. Ouais. Mais à l'époque, calmez-vous quand même, on n'est pas des animaux, c'est pas parce... Mais vous êtes mort, bordel. Comment? Bah, le lieutenant qui était venu de la Sorbonne, il est mort. Oui, mais c'était un camarade de promotion. Ah d'accord, putain, il va falloir quand même que je fasse une enquête là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient de la Sorbonne. Bah, on est la même génération de... On n'est pas d'un milieu communisant, quand même. Ah non, non. Non, pas du tout. Vous portiez pas les cheveux longs? Ah non, non. Mon grand frère a fait l'Indochine. Hein. Vous mettiez pas des vestes en jean quand même? Non. Non, non, j'avais des petites vestes de tweed et des pantalons de velours. En tweed. Ok, bon, très bien. Mon frère a fait l'Indochine. D'accord, c'est bien. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai devancé l'appel. Moi, c'était un soldat blanc? Comment? T'as un soldat blanc? Ah non, non, pas vraiment, non. Très bien. Bah, il est parvenu, hein. Quoi qu'il en soit, pour en venir à nos moutons, la région dans laquelle vous intervenez, il y a beaucoup de monde. On pense qu'il s'est largement et lourdement entouré. On pense que... Oui. En fait, on sait qu'il s'attend à une confrontation directe avec l'armée française et ça lui fait pas peur. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous cacher là, parce que il y a des yeux partout. Mm. Et bon, comme il y a le commando de chasse qui est déjà venu dans la région tout à l'heure suite à de la fausse information et qu'il a failli se faire zigouiller, comme vous le savez... du coup voilà. Donc à l'heure actuelle, je vais vous donner bientôt la position. Donc quoi qu'il en soit, on pense qu'il y a une voire plusieurs centaines d'individus avec lui. Ah bon? Oui, donc c'est beaucoup. Et donc soyez quand même particulièrement vigilants au niveau des combats, vous avez intérêt à être super carré dans tout ce que vous allez faire parce que ça va être vraiment très 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 chaud. D'accord? Bah, d'autant... Faire, on va être carré, mais d'autant plus que l'état-major veut absolument l'astrologue vivant. Oui, alors à ce propos, j'ai transmis le mot à mes hommes, mais il faudrait que je me doute. Reconnaissance de l'astrologue. Mais bon, il le faut vivant. Donc toute personne civile ou autre et compagnie, vous l'attrapez, vous le capturez. Lui, il prend pas d'armes. En général, non. D'accord. C'est un intellectuel. Donc, oui, ça, j'ai compris que c'était un... C'est un orateur plus qu'un... Un idéologue. Plus qu'un soldat. Mais c'est un grand chef, en tout cas, ça c'est sûr.
Il a quand même réussi à fédérer toute la région là où elle ne l'était pas. Ouais. Depuis déjà longtemps. Et c'est quelque chose qu'en tant que chef militaire, je me dois de reconnaître. Donc, soyons vigilants. Et il le faut absolument vivant. Toute personne qui causera sa mort passera en conseil de guerre. Ok. Il n'y aura absolument aucune hésitation. Puisque de toute façon, l'état-major, et là je parle de gens qui sont bien au-dessus de moi, ne tolérant aucune faute, et si jamais l'opération est un échec, ils vous rendent coupable. Oui, bah ça me parle. Donc voilà, donc là à l'heure actuelle, pour vous donner un peu la situation, il y a Rouge Unité qui est en train de faire une infiltration par parachutage. Ah. Dans la zone pour se rapprocher le plus près possible sans être repéré. Et ensuite, ils vont s'approcher, ils vont donner des infos. Toujours quoi pas d'infos soit... sur la zone où on va intervenir. Je vais vous la donner là bientôt. Mais quoi qu'il en soit, soyez particulièrement attentifs. Là, pour l'instant, vous regardez bien autour ce qui se passe. Vous faites attention s'il y a des civils, des trucs un peu louches. Vous n'hésitez pas à intervenir si vous voyez des comportements un peu suspects. Ouais, de toute façon, il y a un 360 qui est assez étanche. Si jamais vous voyez des civils et tout qui sont un peu curieux, vous n'hésitez pas à les arrêter immédiatement. Voilà. Ouais. Leur mettez un coup de crosse dans la tête, fait dodo, et puis vous les relâcherez dans leur habitat naturel plus tard. D'accord? C'est ça. Très bien. Je vous communique la position par radio incessamment sous peu. Très Moi, bien. Je vais retourner sur la base aérienne pour coordonner un peu tout ça. Ouais, ouais. Et exceptionnellement, on a mis en place une QRF aérienne. Un peu plus musclé que les avions qu'on a là, disons un peu plus réactif puisqu'on est sur la réaction. Avion à réaction pour venir vous assister ah si oui. besoin. Ouais, ça, on avisera en fonction de la situation. D'accord. Ok. D'accord, nickel, merci. Bon allez, tout le monde, bonne chance. Au revoir, merci, mon lieutenant. Commandant. Allez, bonne chance. Au revoir, commandant. Bon, ceux qui étaient à côté, vous avez entendu. Si jamais vous voyez des civils passer, on les interpelle avant qu'ils nous détectent. J'aime bien le commandant est gentil. Oui. T'as vu, c'est... surprenant et... c'est cool. Pas désagréable. Ça a l'air clean, mais... Ouais, je regarde un peu la jumelle, je vois personne. Les toits, sur les toits, je vois personne non plus. Ah si, il y a des ennemis là-bas, là. Ouais, ça marche sur la route, là, en... Ouais, ah, fils, c'est vu. Azimut 0. C'est vu, c'est vu. Ah, y a du monde, hein. Le chasseur. Il est déjà là. Ouais. Ah, ça y est, il a largué. Tombe. Bah dis donc, ça tombe loin. Kaboum. Ah, c'est top, top. C'est bon, bien. Au pire, on passe... Ouais. Bah, très, ouais. Très, très, très beau tir. Ouais. Il a vaporisé les mecs qu'on est en train de voir. Ouais, ça c'est fait. Bah du coup on va pouvoir avancer tout droit hein. Ouais ouais vas-y vas-y. Ouais. On profite de la distraction. On profite. Let's go. Perdez pas trop de temps. On va essayer d'atteindre les petits arbres qui sont devant. Attention qu'il n'y ait pas des mecs couchés parce qu'ils ont dit qu'on allait peut-être marcher sur des ennemis. Bah vérifiez bien votre flanc gauche, à droite ça devrait aller. On va atteindre les petits arbres devant, on aura déjà un peu plus de couvert qu'ici. On va pas tarder à arriver sur la tête, ça va être
Je cherche encore des yeux. Ah, je crois qu'il est derrière. Il est derrière la hauteur là, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Avec le truc qui dépasse devant. Le truc blanc ? Ouais, je crois que c'est ça. La tour qu'on voit dépasser. Ils ont un mort, rouge unité. Ouais, putain, c'était rapide. Ils ont commencé à engager les patrouilles et tout. Ouais, bah, c'est bien reçu, rouge unité, on continue à progresser. Ok, quel le complexe. Attendez un peu. Et je vais faire un petit scan. 360 les gars, attentif. Y'a pas l'air d'y avoir grand monde, hein. je crois qu'on peut y aller direct. Ouais, ouais, vas-y, on avance. C'est parti. On avance, on dynamise parce que rouge est en train de prendre plein la gueule. Bah, ils auraient pu attendre qu'on avance un peu en plus, quoi. Parce qu'on avait, du trajet à faire, mine de rien. Que le lieutenant, mon appuyant. Ouais, bah, je sais. Je sais bien mon lieutenant, mais ils auraient pu attendre, c'est une remarque. En fait, sécuriser le complexe par acquis de conscience. Ouais. Vérifier qu'il n'y a pas des fils quand vous passez les portes. Allez, le bras avec moi. Vas-y. On s'embête pas à fouiller les baraques. On fait juste un tour rapide et visu. Ok. On y va. On enchaîne sur en face. Il y a le phosphore qui est arrivé. Ouais. Ah oui, je vois le drapeau. La cible dans le groupement de bâtiments juste devant. Donc pas de grenade inutile. Il est sur le toit, il est mort. Ah ouais, c'est lui, ouais. C'est quoi ? Il est sur le toit, il est mort. De qui, l'astrologue ? Oui. Mais comment il est fait pour crever sur le toit ? Ah mais c'est moi. Il était accroupi et au coin du mur, il a réagi, j'ai tiré. Ils sont où tous mes zouaves là ? Ils sont tous là ? Ou on a pas ouais. On a perdu en route ? Je ne crois pas qu'on ait perdu d'homme. Il est passé où, Nat ? Ah, j'entends. Je sais pas. Lieutenant, vous serez. Vous mettrez le soldat de bras aux arrêts. S'il vous plaît. Bah. Ouais. Tu me préviens du sujet. Tu dis que la mission était un échec, que le. L'astrologue a été abattu, que le responsable a été mis aux arrêts, qu'on attend la suite des instructions. C'est noté. QG Landais de Rouge Unité. Eh, couvrez quand même le nord du complexe là. Ouais, partout surtout. QG Landais de Rouge Unité. Dispersez-vous et couvrez le secteur. Donnez l'assaut, une perte à déplorer. Voilà. Ils ont été tués dans les coins. Putain, c'est bon, les cons. Attention quand tu passes la tête. La base. Oh, pousse-toi. C'est le vif jeu, celui-ci. Putain, la loose. Non, c'est plus cher. On est marre. Carabino, ce qui va se passer, c'est que. On va rejoindre la zone sur laquelle on a été inséré. C'est bon, personne va en aller direct. C'est au nord d'ici. C'est pas très long, on peut y être assez rapidement, c'est plein nord. Le vertical là. Je sais pas, c'est pas grave. On repart.
cadeau. Tango sera prêt de nous rejoindre là-bas. Tango ou Freya le second en couverture avec attention. Préparez-vous. Préparez-vous, on décolle dans très rapidement dès que Bal a transmis le message. On ressort par l'endroit où on est entré. Bleu unité de rouge unité. Au nord du complexe. Urgent. De bleu unité, Tango, il est sur le circuit ou pas? Placard. Ok, Tango, est-ce que tu peux venir nous récupérer, ce sera chaud, au même endroit où tu devais nous déposer à la base, la plaine au nord. On va essayer de traverser pour vous rejoindre là-bas. Ok, Placard, je sais pas si t'as entendu la communication ou pas. J'ai entendu. Le plus possible. Donc on va partir au nord. Carabino. Oui. Je te montre sur la carte, oui. Où on est séparés. La zone, c'est ici. Okay. Ah oui, d'accord. Ok. C'est pas loin, hein. C'est... En pour 0, l'instant, 6, 0, on 9, est à l'objectif, 9. Donc je te tiendrai au courant de notre progression. Mais on va mettre un peu de temps avant d'y arriver, okay, ça va dépendre. C'est plein nord. Nord. Je vais ouvrir avec le. Je vais ouvrir. Oui, ou luminosité, ça devrait aller pour l'instant, on se revient. Tout le monde dans la cour, tout le monde. Commando, sur moi. Oui. Tout le monde dans la cour. J'ai qui? J'ai balle. Il se met dans la zone et il se tient prêt. Est-ce que Etrune a été réinséré sur le terrain ou pas? Ah bordel! Oh putain, on a perdu tout le groupe! Oh le massacre! Tout le monde! Tout le monde! Mais qui a survécu, on a 3 morts au combat! T'es couvert ou pas au nord là? Couvrez l'issue au nord là, y'a quoi comme issue? Y'a deux grilles là, mais. Pour l'instant, tout est fermé au nord. Pour l'instant, ça va. Nord, pourquoi on est combien là? 1, 2, 3. Avec Karadok, on monte au nord pour essayer de les dégager, Kyus. Mais dégagez quoi? Mais ils sont au nord du complexe en fait. Bloc, on a est sorti. Un petit paquet qui sont arrivés et... On est combien là? Il y a Karadok, Preda. On est 4. On est 4 plus un blessé grave plus les commandos. J'ai mis quelqu'un qui a survécu mais. Et Karadok, on parce qu'en fait, ouais, ils attaquent depuis le nord, ils sont vraiment au contact. Ah bah on sait, mais faut qu'on aille au nord aussi donc de toute façon. Bah on va avancer déjà, comment ça. Oh putain, là. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'on fait pour Michael du coup? Bon, on a plus de médic du coup ça va être compliqué quoi. Etrune, je sais pas s'il était avec nous ou pas, j'en sais rien, je sais pas s'il a été réinséré ou pas. Putain. Non, Oribou vivant, putain, Oribou, Kara, ils sont vivants aussi, ah d'accord. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, les blessés on les embarque, on part maintenant. On va se démerder. On n'a pas le temps de soigner, stabiliser tout le monde si l'on en a. Je pourrais vous sur mon dos, mais on va pas se rester nombreux pour pouvoir couvrir. Si, si, Akius encore sur le toit, s'il en prend un, on pourra avoir deux commandos et deux gars à moi, donc ça devrait aller. Il est juste à gauche. Bon, je m'occupe de Ribou. J'ai des grenades, Il est vraiment proche. Hein. Il y a une sorte de barricade de merde. Akius ? Ouais. Faut que tu descendes, on va y aller. Ouais. Bouge pas le bras. En passant, faut que tu prennes un mec sur ton dos. On comme ça, on s'arrache. À côté de lui. On serait dans un camp de prisonniers où on servira d'échange pour livrer nos. Attends, t'as grenadé? Ok. Qu'est-ce que. Attends, je vais grenader aussi. Par contre, en termes de sang, je suis dans la merde. Et on est vraiment en mesure de se déplacer là, on peut pas plutôt appeler l'hélicoptère à l'intérieur des murs? L'hélicoptère, on l'a appelé tout à l'heure dans la journée. Oh non, c'est mais lui. C'est une blague, il a traversé le bois. Bah oui, ça traverse hein, les balles, le bois. Ah non. On va encore pas pouvoir sortir en fait. Bon bah, Karadok est mort. On va pas pouvoir sortir. Dépêchez-vous. En ville, bras, commando. Ouais, mais Mayu, il a traversé la porte. Oui, il a traversé la porte, putain. Refermez la porte, s'il vous plaît. Sauf que là, y'en a plus vraiment. On va brécher. Je vais faire une brèche dans le mur là-bas. Bon, je vais essayer les stabs en attendant. Décale, vite. Là, on est en train de s'enfermer. Tout à l'heure, on avait 4 blessés à ramener. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Ah, je sais pas, personne parle. Moi, t'as coupé non, aussi. Donc on va faire un trou dans le mur là-bas et on va partir.
peux le faire roll directement. J'ai deux gros dynamites, il faut. Mais il a traversé la porte. Pareil, explosif, j'ai ce qu'il faut. Alors que la porte était fermée. D'accord, je peux pas. Tu sais que t'as soigné un mort, UN. J'ai soigné personne. Ah bon? Pourtant, je vois que t'as pensé le patient là. Fait quoi, là? Non, mais c'est moi au sol. Parce que là, ah. j'ai un mec avec. Avec un blessé là à l'arrière qui va vers l'arrière, qu'est-ce qu'il fait? Et t'es revenu comment? Pas là, j'ai des mecs qui ont encore des blessés là, faut qu'ils se. Ah! Attends, on a récupéré des mecs qui étaient morts là. Alors moi je me suis fait buter par un mec qui a traversé un mur, c'est pour ça que je suis revenu. Là genre UN il est revenu aussi donc en fait ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, je suis mort restreinte, du coup je peux rentrer. Tu t'es pris une grenade dans le cul. Juste pour être clair, bleu ils viennent. Restez derrière. Ça blaste fort. Derrière le bâtiment blanc, mettez-vous derrière le bâtiment. Bleu ils vont se poser au nord d'ici, là où rouge était inséré. Un seul bleu, parce qu'il a Itango. Bah un seul bleu oui, il est hélico. Mais du coup l'autre bleu il sert à rien. Bah je sais pas, je suppose qu'il va venir nous soutenir. Il va venir nous soutenir, oui. Il va nous couvrir l'autre. J'espère. De bleu. Oui. De bleu, ah. Du coup, le pilote Freya a demandé de venir en support aérien en évacuation hélicoptère. Ça a marché sur, ils vont regarder. Okay. Sur le point de largage où Tango a déposé le commando de chasse. Non, t'as pas été derrière. La carte, là. J'ai l'impression qu'on est. On est coincé en fait, on essaie de trouver une sortie. Et pourquoi on passe pas vers le sud? Il va peut-être s'effondrer. Parce que l'hélicoptère s'arrête au nord. On a fait exploser le mur. Ah ouais, mais bon, tant pis, on lui donne d'autres coordonnées, mais là, ils viennent tous du nord, les mecs. Tu veux que je mette une des miennes aussi? Ouais, c'est quoi les tirs? C'est des dynamiques, littéralement. Ils sont toujours derrière, les salauds. Oui, non, mais ça, c'est. Ah, mais les dynamiques, c'est ça. Restez en attente autour de la zone, et puis on signalera quand on y sera. C'est avec. Tu peux l'allumer, là, en plus, d'accord. Tu peux la faire en déclenchement manuel. Ouais, si je peux faire avec la molette. Fais attention, t'es prêt? Ferme. On a couvert. Planquez-vous. Merde, attends, j'ai couvert. C'est bon. Planquez-vous au niveau de votre sur porte. Sur la zone de l'hélicoptère attends, aussi, et vous attendez des signals. Voilà. Ça, si ça fait un trou, c'est bon. Attends, il y a peut-être des ennemis derrière. Hein. Attention. Ouais. Pas en paquet, les gars. En face, il y a du monde dans les autres. Putain, oui, ils sont juste à côté. toujours une sortie arrière. Attention, une sortie arrière. Au niveau des roseaux là-haut, derrière les murs blancs, tu peux grenader. Fais gaffe, Prédère. Ça ouvre l'autre porte, l'autre porte. Je rappelle. Phosphore. Deux gars qui arrivent. Coin du mur. Bien reçu. Manque du mur. Prêt à les accueillir. T'avances surtout pas là-haut. Ouais. Tu peux aller mourir en héros pour corriger tes fautes, hein. T'as dû traiter les deux gars derrière. Je sais pas, je les ai pas vus passer. Ouf. Le brin, oh, putain, le brin mort. Putain. Par où il s'est fait avoir, bordel? Bah par l'autre ouverture, tu sais que je te. Tiens là. Bah il arrive en. Ok. Merde, ah, putain, Nat s'en est pris une. Attends, il est pas mort. Rebou il est pas à gauche. Non, il est à terre, Rebou. Rebou il est à terre, je le porte depuis tout à l'heure. Là je l'ai reposé pour pouvoir vous accourir, on avance pas, mais. On va le reprendre. Il a des morts, merde. Là j'aurais ce que t'as carré. On l'a déjà soigné. Ouais. Le capitaine est mort. C'est vrai que t'évites de passer dans la ligne de tir quand je couvre. Il y arrive. Désolé. Non! Le capitaine il est pas mort! Ah. Pas encore! Ah, putain. En tout cas. Le capitaine est pas mort! Ok, le capitaine est pas mort, on retourne à l'arrière. Ah bah ouais, ça fait plaisir! Attends, c'est pratique de se tromper là!
Il n'égale pas trop car. Hein, est-ce que là on est dans la merde. Non, est-ce que quelqu'un, ça arrive, il y a du monde sud-est là, derrière nous, on est entré. Putain. Bon. J'ai des fumigènes là. Ouais, c'est que là, mais c'est bon, c'est fini, on va aller voir. Le rôle que vous avez en train de faire. Oui, par là, on dirait plus. Évidemment, l'idée est excellente. Mais non. Par contre, ça va être tendu sur les arrières, ça serait bien qu'on trouve une autre sortie parce que. On s'en va tout le temps. Ah, mais il faut qu'on pompe. On part par leur truc de là où on est. Bah là, c'est trop tard, c'est bouché. Ça arrive derrière. Oh putain. Voilà. Putain, c'est insupportable. Val, t'as des grenades? J'ai une autre. C'est quoi, j'ai mis Cal aussi. On a trop de blessés là. Il y a quelqu'un avec moi là en fait. Ah, baisse pas. On va à l'offensive de la carte, moi je mourrai pas comme un club. Mais là c'est à des bandades, il y a tout le monde qui va dans tous les sens. On va pouvoir ressusciter. Vous baissez vos têtes, personne sort de l'enceinte. Broken Arrow. Ça me va. Ah. Bah, viens, placard en bas. Si on doit mourir, on mourra ensemble. J'ai le temps de vérifier si Nadette est vraiment mort. Voilà, okay. Fermez cette porte là-bas. Je vois notre souci. Ils arrêtent pas de rentrer, ça sert à rien. C'est uniquement pour les ennemis, le premier qui balance le rouge au milieu de nous, il tue tout le monde. Yuan, regarde là-bas. Toi aussi machine là, je sais pas quitter. Mon fusil qui rentre, regarde là-bas. Le grand bâtiment qui rentre. Était au sud du coup c'est clear, il y avait un mec tout à l'heure dedans. Ouais, non, faut que je regarde, il est clear. Je l'ai eu. Pourquoi vous envoyez une smoke, j'en ai déjà mis une bordel de merde. Attendez que... Arrêtez avec les smokes là, il y en a trop. Stop. Gardez vos smokes. C'est de nous buter par un peu. Ouais, c'est bon. Qui regarde dessus le bâtiment? Tous, pardon. Je suis dessus. Okay. Je suis en haut du bâtiment blanc là, j'ai des visuels sur le bâtiment sud. Il y a trop de smoke là. Bah oui, on voit plus rien. Bah non, t'es malin. J'en ai mis qu'une seule. Moi, mais il y en a deux autres qui en ont relancé là. Et moi j'en ai lancé une, mais. Oui, bah au moins ils savent qu'on est allié. C'est quand c'était sur la fin de la tienne. Bon, ils le savent tellement que c'est limite suspect, je trouve. Mais y a plus d'ennemis là ou quoi? Ouais, par le sud-est, mais par le nord, c'est bon, on peut sortir ou pas? Bah, je vais tester, je vois une certaine porte. Je viens préciser les associations de Gersus et qu'il n'y a plus de la coordination. C'est bon la barre? Après, c'est comme vous voulez, mais le QG a donné l'ordre à l'aviation de race et tout ce qui est en dehors de l'endroit où on est. Je peux pas, non, mais c'est un mystique de merde, ça m'énerve. Ah, il ne va pas nous péter à la gueule au moins. Mais je peux pas la retirer, ça qui me saoule. J'ai pas de kit de désamorçage. Pas grave, on va attendre un peu alors. Pas bon ça. Oui, en soi je suis pas pressé pas de hein. Visuel sur des contacts au nord. On vous la porte Mickaël. Moi j'ai pas de famille qui m'attend. S, attention. Ouais, est sud-est, c'est toujours les mêmes, il y en a plein qui arrivent par là à chaque fois. Excuse-moi Carabino. Là au niveau de l'entrée. On va brancher une smoke un peu plus loin. Si on laisse barrer, ça a l'air d'être clear hein. Alors, Ibu, quoi ça? C'est une smoke. On voit. Ah, smoke vert, d'accord. Oui. Ah, devant l'entrée ouais, tu l'as vu. Ah, y'en a un derrière le rocher au fond. Y'en a un autre là, recule. Attention. De nord unité pour QG par les. Y'a du contact au dessus. On peut passer loin celle-là. Je passe de oui bon d'accord j'arrête.
Attention à vos têtes, hein. Il n'y a pas le Volban cette saison. Quelle maison? Elle en face? Ouais, personne. Allez, viens pointer ton bout de ton nez dans le contexte. Il reste deux éliminations. J'avais l'impression qu'ils avaient très envie de revenir par la porte bleue, car... Non, je crois qu'ils voient le tas de cadavres qu'on a mis, là. Silence, s'il vous plaît. Il y a encore un officier qui est en vie là. Mais il y a tout le monde. Nad est mort. Mais non, Nad il était pas mort. Il faut qu'on se mette en ordre de marche. Taisez-vous. Il faut qu'on se mette en ordre de marche tous ensemble. Maintenant qu'on aille au nord pur, qu'on traverse des champs et qu'on s'éloigne à plus de 200 mètres de cette position là. D'accord. Alors qu'il y a l'avion qui fait des frappes. Passe par l'intérieur du complexe. Passe par où? Passe par autre porte apparemment. Ah y'a moi. Je bloque l'arrière. Ouais, je m'en vais avec toi. Prévenez dès que vous êtes tous passés, parce que bon, on connaît. C'est bon, vas-y, je passe en premier. Alors, cette porte de merde, là, on se casse. On casse les couilles. Toujours une sur derrière, les gars, c'est bon. Ouais, c'est bon pour voir l'arrière. Non, sur à peu près 200 mètres. Short. Putain, en droite. En sortant de la branche, attention. C'est moi. Regarde derrière. Je suis sorti, il y avait des mecs qui tiraient. Deux au fond, derrière. Charge. C'est bon. Oh putain, encore un. Bon, allez-y, je vous recule. Il en faut un aussi. Recule. T'as un peu un pétard explosif. Vas-y. Vraiment. Vas-y, passe au rocher derrière, avance. Attention, je vais faire péter un explosif vers eux. Reculez. Allez, on se casse. Allez. On se casse, on décroche tous. Direction nord, les gars. Suis le pâté. Fumigène rouge derrière nous. C'est moi. Bon, c'est bon. Il restait pas. On décroche, on perd plus de temps. Allez, c'est bon, en avant. Ouais, on dégage. Ouais, nickel, merci. C'était juste pour avoir un point de chute, mais finalement tout le monde est ensemble. Donc c'est bon. Toujours avoir un point ça, de chute. Ça, c'est fait. Du contact sur notre chose derrière nous à 100 mètres. Ouais, c'est pas grave, on trace. Personne ne tire sur eux, on attire pas l'attention. Ils ont pas vu. Pas de tir, on accélère derrière. Allez, go. Ça sert à rien, bordel. Allez, au pire tir. 0-2-4-0-93, coordonnées pour l'extraction, on suit la route nord sur 300 mètres, on arrive dans un champ, on illumine et on leur dit à bleu de se poser. 0-2-4-0-93. Tu continues à tout droit. 0-9-3, oui. Tout droit sur 200 mètres. Nord à peu près. Ouais, 200, ah, c'est bon, j'ai vu, ouais. Les avions ont reçu l'ordre de raser là d'où on vient.
Bah tant mieux. L'hélico est déjà sur place là, je le vois. Là. Allez les gars, c'est presque terminé. On s'arrache, on rentre à la baraque. C'est exactement ça. Là. Hein ? On reste attentif. On est là. T'es le dernier toi ? Ça a l'air. Ouais, c'est bon. Nickel, parfait. Je suis repassé derrière pour fermer un marche tout à l'heure, donc on est ok. On a tout le monde là. Ouais, j'ai juste vu qu'on avait perdu un mec. On a essayé du complexe là. On a laissé le coordonnate sur place et puis je crois que c'est non, tout. Non, mais à la sortie du complexe, quand on s'est fait tirer dessus, j'ai l'impression qu'on a. Non, non, on a perdu personne, on est, c'était à l'entrée, ça c'était. Ouais, ah, c'était quand ils avaient attaqué au début. Je pense, parce que j'ai vu personne tomber. L'angle. Ouais, dans l'angle. Oui, c'est en ouvrant le mur, j'ai fait beaucoup. Ouais, voilà. Oh la vache! Regarde derrière! Oh putain de merde! Putain. Oh la vache! Comment? L'extraction du connard, c'est raté. On s'en bat les couilles, moi ce qui compte c'est que je ramène le maximum de mecs en vie. Ah oui, non, la faute du mec. Bah, je m'en doutais un peu quand même, hein, vu qu'on est partisan, mais là ça va pas être sûr. Il était là. Bah, il a été tué dans les échanges de coups de feu. Putain, c'est sympa. Ça va, c'est sympa. Ah, l'autre, il est en train de. Il est à la limite. Il est un peu crise. Ah, bah putain. Y'a Clus sous la main. Ah, il est devant, je crois. Ah non, c'est balle, ça balle. Et on appelle les ok, c'est noté, balle. On maintient position sur le premier découvert où l'hélico peut se poser. On l'appelle. Ici, derrière les fourrés, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Putain, envoie une flèche. Ouais. Planquez-vous donc au talus, faites un périmètre. De bleu unité, faire déployer son position pour que vous puissiez récupérer. Vous avez un magnifique champ là pour ça. Juste. On est là ou pas? Plan droit, je crois que c'est bon. Flanc gauche, je crois que c'est bon aussi. C'est bon, allez en avant. D'accord. Décolle. Allez, on se casse. On aura laissé le cadavre du capitaine sur le carreau. Tant pis. Oui, il a brûlé le cadavre. Oui. Ils l'ont pas. Ouais, c'est pas faux. Dès que t'as une ouverture, tu peux tirer la coupe. J'ai eu beaucoup d'efforts faits pour que justement il n'y ait pas de balles perdues qui viennent dans ce bâtiment. Ah bah je crois qu'on a tous répété à tous les deux commandements en fait, quand je vois quoi. Ah non, fallait bien, mais bon, ça c'est. Après, je veux non. Pas dire, mais c'est pas important de prendre compte, c'est que t'as compris dans l'ombre. Ouais, non, mais oui, c'est pour ça que je peux pas trop. Oui, non, mais parce c'est. Oui. À sa place. J'en veux pas énormément. Hein. En plus il venait de se prendre une balle, il s'était fait buter par un mec qui était juste à côté de lui juste avant. Vu l'enfer que ça a été, hein, s'il s'était pas pris une balle perdue, c'était pas de chance. Ah. On saute la piste. Hein. C'est là où on explose tous. Ah t'es bon. Merci pour la récupération, c'est bien aimable.
Ça a l'air sans besoin dans le bunker. Ah putain. Par contre, c'est moyen les cadavres de civils. Hein, oui, le civil, c'est traîtres. À ta droite. Ils sont toujours là. Oui. Putain, mais ça fait deux jours qu'ils pourrissent contre le mur. Oui. C'est pour l'exemple. Oh, bah, regarde les cadavres de nos soldats empilés à côté des hélipodes. C'est vrai, ah, mais eux, ils sont des housses. Oh, ah, merci. Ça, j'avoue. Ouah. Record battu. Et bah voilà, oh, c'est bon. J'ai mis un nouvel objectif. 13h43 de mission. La plus longue mission de l'histoire de la TFD est accomplie.